et bienvenue au cœur de l'Afrique de l'Ouest, dans un petit pays qui possède à peine 120 km de côte, au bord de l'océan Atlantique, sur le golfe de Guinée. Un petit pays dont l'avenir passe par la mer. L'équipe Thalassa a choisi ce soir de faire escale au Bénin. À l'ouest de l'Afrique, comme un point dressé à la verticale du golfe de Guinée, le Bénin s'étire tout en longueur entre le petit Togo et l'immense Nigeria. L'ex-royaume du Dahomey est un pays francophone, petit par sa taille, ses revenus et par son nombre d'habitants, un peu plus de 6 millions. Mais c'est un grand pays par son patrimoine culturel, son culte du vaudou et sa vie artistique antérieure à la présence coloniale. Longtemps, grâce à ses élites intellectuelles, le Bénin fut surnommé le quartier latin de l'Afrique. Aujourd'hui, dans Cotonou, la bouillonnante capitale économique du pays, c'est le commerce qui prédomine. Ailleurs, les longues plages de sable fin sont le domaine des pêcheurs de l'Atlantique. Et puis, un peu plus en retrait de la côte, il y a les gens de la lagune. Nous sommes sur la lagune de Ganvier, reliée à l'océan Atlantique. La cité lacustre, la plus étendue et la plus peuplée de tout le continent africain. Une trentaine de milliers d'habitants pour qui la pirogue est le seul moyen de locomotion. Ici, on peut dire qu'avant de savoir marcher, on sait nager ou pagayer. À l'heure du marché sur les pirogues, on trouve tout pour se nourrir, pour se vêtir, pour se soigner. Mais on trouve aussi un produit qui vient de l'autre côté de la lagune, qui vient du Nigeria. On la baptise la Venise de l'Afrique. Une lagune qui communique avec l'Atlantique, un lac salé qui, depuis trois siècles, abrite une gigantesque cité lacustre. Les Tofinous ont choisi de se réfugier ici pour fuir des guerres tribales et surtout les chasseurs d'esclaves. Depuis, ils ont appris à vivre sur l'eau. Leurs cases sont juchées sur pilotis. Et c'est à bord des pirogues qu'ils naviguent à travers les rues aquatiques des villages lacustres. C'est à bord des pirogues que se font tous les échanges. Ici, depuis toujours, on est pêcheur de père en fils, comme dans la famille de Raymond. Le métier de pêcheur, c'est comme celui d'agriculteur. Quand tu nais ici sur la lagune, tu dois apprendre à pêcher. Même si tu fais de longues études, même si tu fais carrière, quand l'heure de la retraite arrive, on revient toujours ici sur l'eau, pour pêcher et pour finir notre vie. Les Tofinous utilisent l'acadia, un piège à poissons à base de branchage. En pourrissant, le bois libère des appâts naturels qui attirent les poissons. Avec l'aide de ses fils, Raymond les enfouit un à un au fond de l'eau. Une tâche de longue haleine, car il faut attendre parfois plusieurs années avant de récolter les fruits de ce piège. Il y a toujours autant de poissons dans la lagune. Mais maintenant, la population a augmenté. Et cela ne suffit plus pour nourrir tout le monde. Si toutes les familles se mettaient à vivre uniquement de la pêche, il finirait par y avoir des conflits. Traditionnellement animiste, la majorité des familles Tofinous donne naissance à 10, parfois 20 enfants. Et la lagune abrite aujourd'hui près de 30 000 personnes. Raymond, lui, a choisi d'épouser une seule femme, Marguerite. Tous les deux se sont convertis à la religion catholique.
Et avec seulement 5 enfants, ils forment une petite famille pour la cité lacustre et n'ont de cesse d'offrir une autre vie à leurs enfants. Il nous manque beaucoup de choses ici. Nous avons pleuré pour qu'on nous construise enfin un dispensaire. Aujourd'hui, nous avons de l'eau potable, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et nous n'avons même pas l'électricité. On vient juste de commencer à construire des latrines ici et là. Mais nous devons toujours aller dans la lagune pour faire nos besoins. C'est dans la lagune que nous faisons tout. Alors aujourd'hui, comme la pêche ne rapporte plus assez pour vivre, moi je suis devenu trafiquant d'essence pour permettre à nos enfants d'aller à l'école et de manger à leur faim. Comme lui, la plupart des Tofinou vivent du trafic d'essence depuis une vingtaine d'années. Et sur la cité lacustre, les pirogues des trafiquants croisent celles des pêcheurs sans que personne ne s'en étonne. À bord, des centaines de litres de carburant importés en fraude du pays voisin, le Nigeria, dans des bidons estampillés au nom de leurs propriétaires. Des bidons vides ou pleins selon les pirogues. En tout cas, lorsqu'il s'agit d'aller s'approvisionner à la frontière nigériane, les trafiquants partent toujours de nuit, par précaution. Tout est fait pour éviter de croiser les douaniers une fois sortis des villages lacustres. Raymond, lui, s'est lancé dans ce trafic il y a 10 ans. Aujourd'hui, ses revenus lui permettent de payer des employés pour aller chercher ses cargaisons de carburant à la frontière. Ça fait 30 000. Donc, 31 bidons. Ça, c'est pour que vous puissiez manger. Que Dieu vous accompagne. J'ai donné à mes employés la moitié de l'argent nécessaire pour acheter l'essence, pour que mes fournisseurs sachent que j'arrive. Si toi tu débarquais là-bas, ils te repéreraient tout de suite. Mais ils feraient semblant de ne pas te voir, pour mieux épier tes gestes, pour voir ce que tu fais, qui tu cherches, avec qui tu es venu. Et s'ils constatent que tu présentes un danger pour eux, ils peuvent te faire disparaître ou bien te dépouiller. Ils repèrent très vite les étrangers. Ils sont capables de tuer. Nous ne suivrons donc pas cette pirogue jusqu'à destination. Comme la plupart des trafiquants de la lagune, Raymond appartient à un réseau mafieux protégé par des chefs inaccessibles qui refusent de dévoiler le théâtre de leurs opérations illicites. Le lendemain, c'est notre guide qui l'accompagne chez son fournisseur avec une caméra cachée. En tant que Béninois, il pourra se faire passer pour un candidat au trafic. Sachez qu'en répondant à toutes les questions que vous me posez, je viole la loi et les secrets du réseau. Alors que Dieu qui a fait ce jour fasse en sorte qu'on ne m'en tienne pas rigueur. De l'autre côté de la lagune, au sud-est du Bénin, non loin de la frontière, c'est là-bas que les trafiquants béninois vont chercher l'essence en provenance du Nigeria, l'un des plus gros producteurs de pétrole d'Afrique. 10 heures plus tard, c'est dans cette zone, à une vingtaine de kilomètres de la frontière nigériane, que la pirogue de Raymond rejoindra un centre d'approvisionnement secret, comme celui que nous survolons. Une simple plage, dissimulée au beau milieu de la brousse béninoise. Lorsque mes employés arrivent là-bas, un camion charge tous les bidons vides
et puis s'en va les remplir au Nigeria. Ensuite, on les embarque sur les pirogues. Nous, on n'est pas toujours approvisionnés dès qu'on arrive. On peut parfois rester là-bas 3 ou 4 jours, voire une semaine, avant d'être livré en essence. Quoi qu'il en soit, un trafiquant doit toujours régler son fournisseur nigérian avant la livraison. Pour Raymond, la tractation se déroule toujours ici, dans un petit entrepôt en plein air, à l'abri des regards. Ce jour-là, l'homme se méfie immédiatement de notre guide. Bonjour. Hey, qui c'est celui-là? C'est un ami. T'inquiète pas, c'est un ami. C'est vraiment ton ami? T'as rien à craindre. Il veut se lancer dans le trafic avec moi. Voilà les bidons que tes employés m'ont donnés. Mais il faut que tu attendes l'arrivée du camion. À cause de la fête musulmane, hier, toutes les stations étaient fermées au Nigeria et on n'a pas pu s'approvisionner. C'est la pénurie en ce moment, tu sais. On a donc augmenté les prix. Donne-moi 15 000 francs par bidon et ça ira. La transaction se fera finalement à 12 500 francs CFA, soit 19 euros par bidon de 50 litres. Retour sur l'autre rive de la lagune. Calavi, 6 heures du matin, à une quinzaine de kilomètres du village lacustre de Raymond et une vingtaine de kilomètres de Cotonou, la capitale. C'est devant ce hangar que toutes les pirogues venues du Nigeria larguent leurs bidons d'essence. Raymond ne souhaitera pas nous montrer l'arrivée de sa propre cargaison, craignant la vengeance du réseau. D'ailleurs, à l'approche du débarcadère, les trafiquants menacent notre piroguier. D'autres nous laisseront filmer. Certains esquissant simplement, un geste pour se camoufler. Difficile de comprendre pourquoi certains semblent protéger les arcanes du réseau et d'autres continuent de débarquer leurs bidons nuit et jour sur ces docks improvisés où viennent s'approvisionner tous les revendeurs de Cotonou. Les trafiquants semblent opérer sans jamais être dérangés, car les douaniers, eux, sont rarement où il faut. La plupart du temps, ils patrouillent à plus de 20 km de là, non loin de la frontière nigériane, mais en plein jour, sur la voie que les trafiquants, eux, empruntent toujours de nuit. Et comme moyen de transport, la brigade mobile de la lagune ne dispose que de cette unique barque, en piteux état. Les trafiquants, ils ont une longueur d'avance sur nous parce qu'ils disposent de moyens de communication sophistiqués, ils disposent tous de téléphones cellulaires. Et comme ils sont nombreux à nous surveiller, ils sont placés aux endroits stratégiques. Et dès que le service des douanes bouge pour un contrôle, ils sont informés et ça permet à certains trafiquants de se cacher. Vous avez combien d'hommes? J'ai une vingtaine d'hommes pour ma disposition. Pour combien de trafiquants? Pour près de 200 000 trafiquants. Hein. Comme je le dis souvent, l'OME, c'est le Vatican de la fraude. Sauf que le pape, on ne sait pas où il est. L'OME, c'est le département qui jouxte la frontière du Nigeria au sud du Bénin. Et face au Vatican de la fraude, les douaniers de la lagune ne jouent pas vraiment les croisés. À raison d'une seule patrouille par mois, la bataille est inévitablement perdue d'avance. Et ce jour-là, nous avons un peu l'impression d'être menés en bateau. Vous n'allez pas plus loin dans la lagune? Bien sûr. Pas mal, ouais. Jusqu'où? Jusqu'à la frontière du Nigeria. C'est long, alors? Pas trop. Ce jour-là, comme par hasard, nous ne croiserons aucun trafiquant d'essence. Simplement une barque transportant du bois. Pris d'un excès de zèle devant la caméra, les douaniers décident d'inspecter le bateau de fond en comble. Mais en vain, aucun bidon à l'horizon. Il faut avoir peur des trafiquants. Il faut avoir peur? Oui, des trafiquants. Pourquoi? Il faut avoir peur de tout trafiquant, d'ailleurs.
Ceux-ci, c'est ceux-là que nous connaissons. Ceux qui passent sur la route, mais ceux-là, ils sont armés. Ils ont des armes avec eux, ils ont des fusils. Ils sont organisés parce qu'ils ont plus d'indicateurs que nous. Des fois, c'est les indicateurs que nous avons. Ils sont de l'autre, des fois avec eux. Et quand ça paye bien là-bas, ils vous laissent. Ouais, c'est un peu compliqué. Et quand par miracle, les douaniers réussissent à intercepter une cargaison, les trafiquants risquent seulement une amende et la confiscation de leur barque, mais aucune peine dissuasive. Ce jour-là, pas de fraudeur en vue et un moteur qui tombe en panne, la patrouille sera de courte durée. Comme si tout était fait pour laisser le champ libre aux trafiquants. À Cotonou, le directeur général des douanes, lui, ne fait que déplorer un état de fait. Voilà, ce trafic aujourd'hui, je peux vous dire qu'au départ, a été organisé par des populations vraiment déshéritées. Des gens qui ne mangeaient pas bien leur faim, ou bien qui ont des problèmes, ou bien des gens, des chômeurs. Et comme vous savez, aujourd'hui, il y a plein d'intellectuels universitaires qui chôment, qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas de boulot. Donc, pour joindre les deux bouts, ils sont obligés de se lancer dans ce trafic. Mais malheureusement, ce que nous constatons également, il y a des fonctionnaires de l'État qui se lancent aussi dans ce commerce. Donc, en fait, c'est un secteur aujourd'hui qui occupe pratiquement beaucoup de gens de toutes les classes. Il y a même des gens qu'on ne peut même pas soupçonner. Des gens qui sont nantis, qui ont de l'argent, qui sont sur le plan social quand même, qui ont un certain rang social, et qui, peut-être pour se faire beaucoup plus d'argent, organisent cette fraude-là. Et généralement, quand on saisit ces produits, mais ces hommes n'apparaissent jamais. Au ministère de l'Énergie, le directeur de l'Énergie, Badarou Raoufou, renvoie la balle dans le camp de la douane. On peut dire quelque part que la douane a une certaine complicité par rapport à ça, sinon... Puisque aujourd'hui, ça se fait au vu et au su de tout le monde. La vente de carburant se fait au vu et au su de tout le monde. Ce n'est pas un phénomène qui est caché aujourd'hui. Vous pensez qu'il y a un phénomène de corruption? Le phénomène de corruption, c'est un phénomène qui est un peu général chez nous. Je pense que oui. Il y a une complicité soit passive, ou bien il y a une certaine corruption qui est manifeste dans ce domaine. Hein. On peut pas le nier. Hein. Vous savez que c'est un problème qui est général en Afrique, mais c'est un phénomène un peu grand qu'on ne peut pas combattre du jour au lendemain. Complicité des douaniers, emploi assuré pour les plus démunis, le trafic profite à tout le monde. À Cotonou, comme dans tout le pays, l'essence de la fraude fait vivre des centaines de milliers de revendeuses et de revendeurs. Le trafic ne leur rapporte pas de revenus juteux, mais un simple minimum vital, l'équivalent de 2 euros par jour. On cultive la terre avant. Et pourquoi vous vous êtes mis tout d'un coup à vendre de l'essence sur le bord? Parce que rien ne marche maintenant, c'est pourquoi. Il faut se débrouiller avec ça pour se nourrir. Et puis pour nourrir aussi la famille. Dans la rue, selon les jours, le litre est vendu entre 10 et 20% de moins que dans les stations-service officielles. Une aubaine pour les conducteurs de voitures et de taxis-motos. Les stations, elles, sont désertées. Aujourd'hui, au Bénin, 60% de l'essence viendrait de la fraude. 140 000 tonnes d'essence nigériane entreraient illégalement chaque année contre 80 000 tonnes d'importation officielle. Mais pourquoi l'État béninois se priverait-il de ces taxes pétrolières? Selon nos informations, des personnalités très proches du gouvernement profiteraient elles-mêmes de ce trafic. L'essence de la fraude risque donc de faire vivre encore longtemps des centaines de milliers de Béninois dans les villes et des dizaines de milliers de Tofinou sur la lagune. En attendant, Raymond, lui, rêve d'un autre avenir pour sa famille. Je ne voudrais pas que mes enfants souffrent comme je souffre en ce moment. Parce que vendre de l'essence n'est pas facile. Tu sors de ta maison, tu vas dans des endroits bizarres. S'il t'arrive quelque chose, tu es sûr de mourir. Tu peux y laisser ta peau. Mon combat, c'est que mes enfants aillent à l'école pour que demain, ils disent « Papa et maman ont tout fait pour nous ». La plus
plupart des Tofinous n'envisagent en aucun cas d'abandonner ce trafic. Car aujourd'hui, dans ce pays dépourvu de ressources naturelles, ils ne peuvent compter sur aucune autre manne pour assurer leur survie. Jean, finalement, ce trafic d'essence est une véritable institution. Oui, Georges, une véritable institution. D'autant qu'on vient de le voir, les douaniers, finalement, tolèrent ce commerce illégal. Alors aujourd'hui, au Bénin, on estime que 80% du marché de l'essence est d'origine frauduleuse. Tout ça parce qu'à quelques kilomètres d'ici, à une trentaine de kilomètres, il y a un pays puissant, le Nigeria. Le Nigeria est le premier pays africain producteur de pétrole, un pays où la corruption, le marché noir, sont finalement les seules règles du commerce. On y reviendra tout à l'heure et on verra que ça ne concerne pas que les hydrocarbures.